Last Friday, January 19, at 13:32 22 hours UTC, Archaea Ultim Challenge breast leader, Charles Cordrelier, and the Maxi Edmond de Rothschild, crossed the latitude of the Cape of Good Hope. The skipper of Gitana team completed the 8,399-mile descent of the Atlantic in 12 days 1 hour 2 minutes and 22 seconds, which equates to an average speed of 28.85 knots in elapsed time. Charles Cordrelier was a little slower on this southward section of the round-the-world passage than record holder François Gabart, who achieved a time of 11 days, 20 hours, and 10 minutes, in November 2017. When Cordrelier has also cleared Cape Agulhas, located 80 miles further east, he will enter the Indian Ocean. The Gitana team's Maxi Trimaran is still making daily averages of more than 800 miles, and this could last at least as far as the Kerguelen Islands. Recent routings suggest that the route will be fast to Australia. Avec l'aventure ultime, embarquez pour de nouveaux horizons. Actual, construisons ensemble votre travail. Coup de théâtre en tête de l'Archaea Ultim Challenge Brest. 11e jour de course, alors qu'il menait la flotte, l'ultime de Tom Laperche a heurté violemment un objet flottant. Le choc brutal a stoppé net le trimaran lancé à 35 nœuds, soit plus de 60 km/h. Joint par téléphone, jeune skipper ne cache pas sa déception. J'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté de que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. J'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie. Les dégâts sont importants, l'eau s'engouffre dans la coque centrale. Tom Laperche, en sécurité à bord de son bateau, fait désormais route vers Cape Town en Afrique du Sud pour une escale technique. C'était votre programme avec Laboratoire SVR. Des solutions dermatologiques efficaces et éco-conçues. En pharmacie et parapharmacie. SVR, bien dans ma peau. Salut! Bah on est toujours en route vers Cape Town, on est un peu moins de 400 000 ce matin, le jour s'est levé là, et 400 000 ça fait à peu près 700 km. Donc on devrait y être en fin de nuit, levé du jour demain. On va rester assez prudent parce que on va avoir à peu près 30 nœuds de vent là, les 12 dernières heures jusqu'en Afrique du Sud, donc un peu plus de mer, mais ça devrait bien se passer. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle histoire. Un nouveau voyage qu'on va faire avec toute une équipe pour s'occuper de ce trimaran S vers les Arctiques les prochains jours au mieux. Allez, bonne journée à tous et à très vite à terre. Magnifique lever de soleil dans les 40e. Pas un nuage, c'est assez rare. Hein. Une nuit à faire quelques manœuvres. Et je vais aller plus cher. On est bien dans l'Agna, passage de l'île Marion. C'est une des dernières terres. Approcher avant le Cap Horn, enfin j'espère, ça sera bon signe. Est-ce qu'on la voit? Ben non, on voit pas, on la distingue parce qu'il y a un nuage. Je vais monter ça. Hop. Alors elle est où? Là-bas, le gros champignon dans le ciel magnifique bleu. Ah si! Moi j'aperçois sa forme. Il n'y a pas grand monde à bord, je crois. C'est un gros nuage dessus. Un océan indien bleu, 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 bleu. Thank you.
difficile et le jeu n'est pas simple parce que d'un côté j'ai l'île à 10 000 et de l'autre côté j'ai la zone et là c'est interdit, donc si je rentre dedans il faut que soit une pénalité soit revenir passer au même endroit, la recouper la ligne au même endroit, donc voilà. Et ça, cette ligne, je vais l'allonger encore pendant quelques heures, c'est assez pénible. Il faut en permanence adapter le cap du bateau au nouveau vent et les réglages. Mais bon, content d'être là.